Place de la Bastille, 4 février 2010. Médecins du Monde se mobilisent pour faire entendre la voix des sans-papiers. Pour toucher et sensibiliser les passants, une exposition photo au titre provocateur et interrogateur qui veut faire réfléchir sur un constat. Aujourd'hui, en Europe, l'exil est trop souvent égal à exit. Cet événement, en plein cœur de Paris, pendant les 15 prochains jours, donne des visages et des voix aux personnes sans papier et expose une Europe qui ferme de plus en plus ses portes. À l'appui, de nombreux témoignages, une scénographie pédagogique et sensible et des photographies d'Olivier Jobard, grand reporter à l'agence SIPA Presse, fruit de 10 années de travail. Un témoignage inédit sur les raisons qui poussent à partir, les voies d'accès, les points de blocage, l'accueil et la survie une fois arrivé en Europe pour une personne sans papier. Les visiteurs déambulent entre les photographies et s'informent grâce aux données placardées sur deux containers centraux. À l'intérieur, la réalité des migrants frappe. Le visiteur est plongé dans le noir. Il découvre des scènes, des fragments de quotidien à la lueur d'une torche distribuée à l'entrée. Cette atmosphère confinée nous fait ressentir l'oppression et la peur dans laquelle vivent les migrants. Plus loin, un conteneur avec en boucle 3 documentaires photos nous confronte aux témoignages à visage découvert de sans-papiers qui parlent du quotidien. L'exposition montre les difficultés pour se soigner, se loger, travailler ou pour simplement prendre le métro. Tout parle d'isolement, de violence de leur environnement, de la précarité et de la souffrance. J'aimerais que les gens qui parlent d'immigrés, non, les immigrés ne doivent pas arriver ici, ne doivent pas venir chez nous, essayent de comprendre les immigrés, essayent de les côtoyer de près et de comprendre pourquoi ils doivent partir, pourquoi parfois ils sont obligés de partir de chez eux pour arriver ici. Parce qu'on est bien que chez soi, mais si on prend la décision un jour de quitter le chez soi pour aller dans l'inconnu, c'est qu'il y a forcément problème. J'aimerais qu'ils s'intéressent de plus près à ça. On leur dit qu'il faut vous retourner en Grèce, puisque c'est le pays, premier pays rentrant. Et donc ils continuent plus loin, ils continuent jusqu'à ce qu'il y ait un pays qui veuille bien les accueillir. Mais il y a rarement un pays européen qui veuille les accueillir. Donc c'est un peu la patate chaude que les pays se renvoient, que les gouvernements se renvoient d'un pays à l'autre. Plusieurs personnalités se sont déjà mobilisées et ont affiché leur soutien, comme Clémentine Sélarié et Yannick Noah. Elles se sont engagées à soutenir cette action, aidant ainsi MDM dans son plaidoyer auprès des décideurs politiques. Les gens qui arrivent avec un rêve, un espoir, un désespoir. Les gens désespérés qui arrivent et au moment où ils posent le pied sur notre terre, on leur montre la porte de sortie. Voilà, c'est ça, c'est très, très bien vu et très fort. Comme eux, nous pouvons dire que l'exil peut ne pas être synonyme d'exit en barrant symboliquement le signe égal. Bientôt, cette exposition tournera dans près de 10 villes françaises et dans le reste de l'Europe. Jusqu'au 21 février, c'est à Paris, place de la Bastille, que Médecins du Monde vous donne rendez-vous.